Alors on va regarder le châssis de Gabriel. C'est un jeune du club qui est venu s'entraîner avec son papa. Il est venu avec un modèle vintage, le Serpent 4X Evo. Alors il y avait deux références, le 4X Evo et le 4X Pro. Voilà, sous la carrosserie on va regarder ce châssis. Alors c'est un châssis électrique. C'est une base de loisirs. Donc on retrouve un combo ESC et récepteur Absmia en 40 ampères. Ici un moteur à charbon, un thrust en 15 tours. Et ça roule avec un accu NIMH 6 éléments 7 volts 2, prise Tamiya. Voilà pour l'électro et la présentation des éléments. Alors le châssis par contre lui, il est de toute beauté. Il est full carbone, courroie de transmission. On a vraiment un châssis original parce qu'il est quand même super vintage. Ici on voit des petits ressorts. Voilà, ok, là on les voit bien sous le châssis. Il y a un gros amortisseur et il y a une reprise avec deux petits ressorts sur les côtés à l'intérieur. C'est le système anti-roulis ça. D'accord. Voilà pour le châssis tout fraisé. Alors c'est des pneus 1/10 en mousse. Là il y a un short un petit peu dur, hein. Ça doit être du 40 ou 42. 40, ouais, du 40, short 40. Les petites courroies de transmission pour embarquer les 4 roues motrices. Et ici, comme sur la configuration arrière, des petits ressorts qui servent en fait pour la barre anti-roulis avant, qui est montée sur roulement. Et des petits ressorts ici qui permettent le jeu sur la barre anti-roulis. Je vais revenir parce que je les ai découverts là, ces amortisseurs. On a un gros amortisseur qui est fixé en longitudinal sous le châssis. C'est très original. Je crois que c'est la première fois que je vois cette config. Et on a la même chose à l'arrière. On voit l'amortisseur ici qui va jouer en fait, vous voyez, quand le triangle il remonte. C'est un petit peu comme des amortisseurs à bascule, sauf qu'on n'a qu'un amortisseur pour tout le train à l'arrière et la même chose à l'avant. Hein. Un amortisseur pour tout le train avant. Voilà, avec un petit corps alu, c'est super bien fini. Voilà, c'était le modèle Serpent 4X Evo. C'est un modèle de quelle année ça? 2015, 2016, je crois. Voilà, il doit avoir 6-7 ans. 1/10 piste Serpent. À bientôt. Ciao.